Bonjour. Pam pam pam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de relancer How to Ride, bon, les DLC Ecclesia, je fais du vendu donc. Les DLC des autres jeux que j'avais dit que je ferais, donc c'est pour ça que hier j'ai fait Let's Build a Zoo. Et aujourd'hui, je fais le DLC de Dredge, qui était vraiment un très bon jeu. Et il y a le DLC qui est sorti il y a quelques temps déjà. The Pearl Witch. Oh putain. Déjà l'image, c'est plus que ça. Continuez. Je sais pas si la caméra est au bon endroit, nous allons voir. Non, il me semble que le bateau est là quand on s'équipe. Ça aurait été mieux à gauche. Je sais plus où je m'étais. Merde. Amis pêcheurs, avez-vous croisé une photographe lors de vos voyages? Elle est venue ici il y a quelques jours pour s'approvisionner. Ah oui, c'est vrai que du coup on peut prendre des photos. J'ai quasiment pas joué au jeu depuis. Le son est très bas, je vais l'augmenter, je pense. Je lui ai suggéré de photographier la ville à des fins promotionnelles, mais elle n'a pas semblé intéressée. Elle a précisé qu'elle se dirigeait vers le sud. Vous devriez aller faire sa connaissance. Très bien. Et parce que j'ai dû. Non mais. Elle... Merci. Ah putain, mais oui, mais j'ai la manette. Elle a un peu buggée cette manette. Je vais mettre comme ça, ça a l'air très bien. Annulé, non, ça. Je ne sais plus jouer. Hein. Levez l'encre. Je sais absolument plus jouer au jeu. Alors j'avais. Je vais voir les quêtes. Sur l'étagère. Ah mais j'ai des livres. Lecture en cours. Vers le sud. C'est par là hein, le sud. Hein. Oui. Alors, visiblement, on a une. On a une photographe qui allait par là. Comment on voit la carte? Plein sud, ce serait là. Je sais plus comment on voit la carte. Il y a un bel espada. Oh là là. C'est ça là? Ça m'arrête. Ça me dit rien ce camp. Ça fait longtemps. Le jeu date de la dernière fois que j'ai lu, c'est en mai. Il me semble qu'il est sorti début mai ou fin avril. Photographe, c'est bien ça. Bonjour. Pourriez-vous vous décaler un peu? Vous êtes dans le cadre. Vous vous déplacez. Ah, vous vous déplacez. Quelques secondes plus tard, la photographe soupire d'un air exaspéré et marmonne dans sa barbe. Non, non, ça n'ira pas. Quel problème? L'angle de cet objectif ne va pas. Je pourrais pas faire de gros plans avec ça et les autres. J'ai bien peur qu'il soit tombé à l'eau. Elle soupire à nouveau et regarde vers l'ouest. Je naviguais depuis le bassin des astres et j'ai engagé mon bateau dans un passage étroit entre deux îles. Mais je me suis échoué sur des coraux. J'ai cru entendre quelque chose tomber dans l'eau, mais je n'ai pas osé m'arrêter. Si vous pouviez récupérer mes objectifs, voyons voir. Elle fouille dans les maigres affaires qui ont survécu au voyage. J'ai un appareil photo dont je me sers plus. Je vous l'offrirai si vous trouvez mes objectifs. Je vais vous indiquer sur votre carte l'endroit où je pense avoir perdu. Alors, c'est très gentil. C'est... Non, carte. Ah, c'est flèche du haut. Très bien. Il y a quoi dans la cabine? C'est les quêtes, c'est ça? Non. Alors, elle a dit où? Bassin des astres. Passage étroit entre deux îles. Ici, peut-être? Du coup, c'est là où il y a la croix? Oui, c'est là où il y a la croix. Et là, tout ça, en bas, c'est The Pearl Reach. Ah, j'aurais pensé que c'est au nord. En même temps, il y a l'échine du diable. Non, mais attends, elle a de la place pour d'autres DLC, là. Bon, on va d'abord faire le bateau. Enfin, d'abord faire le bateau. On va d'abord faire le... La photo. Allez, on va au bassin des astres. Merde, je voulais faire ça. Check. C'est là, non? Oui, c'est là. Elle revenait du bassin des astres. Ouais, c'est vraiment... Là, il n'y avait pas... Là, ça va être une petite quête, je pense, vraiment histoire de nous débloquer le truc, quoi. Comment ça marche? On s'approche et c'est bon. Inspecter. Un ensemble de valises s'est échoué sur la rive. Certaines sont grandes ouvertes et ont perdu leur contenu dans les vagues. Cherchez des objets de valeur. Matériel photo.
C'est tout. Eh ben, on y retourne. Elle est là, là, c'est elle. Un Nespad. Oh non, c'est un Hurricane. Du coup, je crois pas que je l'avais fait en stream, hein, mais j'ai. Si je fais avec l'encyclopédie, là. Donc, c'est flèche du bas. J'ai tout. Bah, j'ai pas les derniers, du coup. Si je vais dans glace. Comment ça marche? Ah putain, j'étais là. Si je vais dans glace, j'en ai aucun. Sinon, tous ceux d'avant, je les ai. Hein. Bah, pas les crustacés des glaces, mais. Putain, mais il y a des nouveaux trucs! Ah non, c'est marqué dans glace, justement à droite. Bon, bref. J'avais fini l'encyclopédie pour tous les poissons de base. Il y a peut-être de nouveaux poissons, hein, du coup. Hein. J'en sais rien. Je pense pas là. Elle est où? C'était à l'autre petite île. Elle était là. Clac, 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 clac. Je me suis toujours pas. J'ai rien foncé dans rien là. C'est incroyable. Photographe. Ah, vous avez mes objectifs! Oh, j'espère que l'eau ne les a pas endommagés. Elle saisit la mallette et inspecte chaque objectif soigneusement. Ils ont l'air en bon état, un peu de lustrage, et il n'y paraîtra plus. Comme promis, je vous donne un appareil photo. Son objectif est classique, mais il devrait vous permettre de faire de belles photos. N'hésitez pas à me demander des conseils pour savoir où photographier la faune locale. Parlez-moi des mammifères. Bien qu'ils soient plutôt rares, je crois qu'il y a quelques cétacés. Ah, d'accord. Un grand dauphin et des épaulards. La baleine bleue. Oula. Avec la chasse à la baleine à Morne Fanon. J'espère que la population s'est. Alors on va lui parler de tout. Par exemple, vous savez plus que moi sur ce domaine. Il y a des requins baleines, comme vous le savez. Parlez-moi des oiseaux. Vous entendrez des chants d'oiseaux variés provenant des îles, mais ces volatiles sont sûrement trop petits pour être visibles depuis votre bateau. Il existe des espèces plus grandes, des goélands et des corbeaux qui rôdent près des quais les plus animés en quête de nourriture. Les ruines de l'échelle du diable abritent souvent quelques balbuzards pêcheurs. Vous les entendrez peut-être s'interpeller, bien qu'ils soient assez discrets. Je me demande ce que c'est, du coup, le monstre, on va dire, du bassin des astres. Je changeais la webcam de place. Parce que je viens de me rappeler ça en fait. Chaque zone a son. A sa merde quoi. Et du bassin des As. Non, de The Palreach. Parlez-moi des reptiles. Ravi que vous me posiez la question. On songe rarement aux reptiles quand on parle d'océan. La tortue Kawan est très répandue dans les eaux tempérées du côté des moelles et des falaises. Mais parfois difficile de la repérer dans l'eau. Quant aux reptiles de plus grande taille, le champion est le crocodile marin. L'environnement de la rive torse lui convient à merveille. Autre chose. Y. Cabine. Quête. Chercher des reliques. J'ai pas ramené la dernière relique. Pour moi, j'ai tout là. Je l'ai déjà donnée. Ou alors, elle est peut-être dans mon sac. Mais peu importe. 13h, on a le temps là. Plein sud. C'est à 18h. Faudra qu'on trouve un quai à 18h. Sinon les monstres. En soi, j'avais déjà conduit de nuit. Hein. Je me souviens plus du tout de. Plus, enfin plus du tout. Je me souviens plus trop du jeu, mais bon. C'est là-bas, Palreach, on voit des. Ah bah oui. Faut que je dash un peu là, si par contre je veux pas mourir. Oh putain! Je suppose qu'on va pas le pêcher ça. Oh! Une abomination. Non mais non, mais je vais pas pêcher maintenant, je vais mourir sinon. Je vais me faire choper par une bestiole. Voilà, premier on tombe sur un porc, très bien. Marchande ambulante. Ah, vous aussi, vous venez explorer le champ de glace? Il est pour ainsi dire apparu de nulle part. Sans doute qu'il a dérivé depuis le sud. En tout cas, j'ai cru bon d'emménager un ponton ici. Mais quand j'ai voulu revendiquer les lieux, j'ai remarqué du vieux matériel sur la glace. Passez donc voir ça quand vous aurez une seconde. D'ici là, j'ai de nouvelles cannes à pêche à vendre. Elles sont parfaites pour pêcher dans la glace des environs. Camp de travail glacial. La marchande ambulante a rejoint l'iceberg le plus proche et inspecte de vieux morceaux de métal. Vous vous approchez d'elle. C'est très curieux, ce matériel a l'air vieux.
mais vraiment très vieux. Elle frappe du pied une grande plaque métallique à moitié encastrée dans la glace. L'impact déloge une fine couche de neige qui laisse apparaître des trous de rivets alignés. Et tenez, entrez, venez voir. Vous la suivez dans un petit abri de fortune, malmené par des années d'intempéries. À l'intérieur, des plans cloués à une table, encore vaguement lisibles. Regardez le code, le coudage de ces plaques, l'alignement du métal autour de la proue. Je ne sais pas qui a vécu là, mais je crois qu'il construisait un brise-glace. Vous pourriez en fabriquer un autre avec ces plans ? Sûrement, mais voyons. Elle ressort d'un palo et fait les 100 pas autour du débris de métal sur la glace. Nous avons déjà l'essentiel des matériaux de base, mais bien sûr, il nous manque les pièces cruciales. Un brise-glace a besoin de métal coudé avec une trempe spéciale, ainsi que de composants conçus pour atténuer les impacts sur la coque. Je ne vois rien de tout ça ici, mais celui qui a laissé ce matériel a peut-être semé d'autres pièces ailleurs. Ou alors, vous pourriez trouver sa vieille embarcation et récupérer le brise-glace qu'il a déjà fabriqué, ce serait pratique. Enfin bref. Pour construire un nouveau brise-glace, voilà les pièces qu'il nous faudrait. Moitié de charrue brise-glace, renfort de brise-glace, moitié, deux moitiés de charrue brise-glace, un renfort de brise-glace. Bah c'est ça, parce que genre il y en a un, il a fait un L, enfin il y en a un, c'est un gros Tetris. Là c'est un mouvement de cavalier, non je sais pas. Bref, il y a un carré et puis deux Z, voilà des Z. Le chantier naval. Parce que qu'est-ce que tu me vends là, des cannes à pêche de glace? Glace et océan, j'ai combien d'argent? 8000. Bah oui, en même temps c'est normal, j'ai beaucoup joué. Bah, alors on va regarder comme ça. Travail des profondeurs. C'est pas noté ce qu'on a déjà, c'est chiant. Est-ce qu'il faut un... Déjà on va regarder. Non, les moteurs c'est bon. Est-ce qu'il faut un filet? Il y a un filet de glace peut-être? Bah, je vais pas prendre de filet, ça prend trop de place. Là je vais pas retourner dans les océans ni dans... Pièce de recherche, je prends. Hein. Je suis sûr que ça va être utile à nouveau. Mais non, pose-le là. Pack d'explosifs et du métal raffiné. Non, on prend ça. Voilà. Très bien. Ensuite. Côte, au fond, mangrove et volcan. Putain, ça prend quasiment tout, quoi. Mais c'est pas ça que j'ai besoin. Vers la réserve. Ah, on a accès à la réserve ici. Très bien. Non, de l'autre. Voilà. Et on va acheter donc. C'est où qu'à la pêche? C'est là. Ah, j'ai envie d'éternuer. Voilà. C'est quoi ça, la plateforme de récupération? Elle y était déjà avant? Non, ça, c'est bien ça. Ça, c'est glace. Glace et océan. 33%. Vitesse de jeu. Bah l'autre est mieux en fait. C'était bien mieux. 216, ouais, peut-être qu'elle est plus chère. Oui c'est ça, elle est deux fois plus chère. Mais on prend ça direct alors. Voilà, 3 heures c'est cool. Là du coup je peux pêcher quoi? Abysse, grand fond, océan et glace. Est-ce que j'ai besoin de haut fond? Peut-être. Côte et au fond. Eh, je vais prendre ça dans le doute. Hein. Mais j'en ai déjà une. Je vais pas la prendre, je vais plutôt aller dans ma réserve, mais... Côte et au fond. Voilà, on va prendre ça. Hein. Voilà, c'est vrai que j'ai tous les équipements... tous les équipements dégueulasses, là. On va prendre ça, alors. Comme ça, on peut faire tout ce qui nous intéresse dans cette zone-là. Faire la cale, Y. Voilà. Bah voilà, parfait. Amélioration. Est-ce que il y a d'autres améliorations? J'ai pas l'impression, hein. Ah si, tout ça c'est nouveau. J'en sais rien. Non, tout ça j'ai déjà. Eh mais non, mais c'est pas ça. Ça c'est pour ajouter des matériaux. C'est, je pensais avec les plans de recherche. Les plans de recherche c'est pas ici. Qu'est-ce qu'il y a avec Y là? Quête. La lisière pâle, trouver les pièces du brise-glace. Je dois trouver les pièces du brise-glace 0 sur 3.
dans mon casier, j'ai une carte qui prend toute la place. Et ben on va dormir alors. Donc j'ai regardé dans les succès, il y a genre... finir la quête principale de DC, finir les quêtes secondaires, il y a beaucoup de choses. Donc le brise-glace, je suppose qu'il me permettra de passer ici là. Je vais voir, hein, ça se trouve je peux faire avec des explosifs. Visiblement non. Ça c'est avec le brise-glace. Quoi? Ça m'a à peine effleuré. S'il vous plaît, capitaine. Bon, je vais réparer maintenant, quitte à être à côté. Je me souvenais plus de la fragilité du bousin. Donc c'est fragile, visiblement. Chantier naval. Oui, j'ai pas pu éviter ce rocher, il est apparu devant moi. Oh, pour 30... Eh, c'est bon, ça te fait de la thune. Chialer non plus. Nouveau poisson. Glace, oui, c'est un nouveau. Merde, bah, ça commence bien. Le poisson des glaces, tout simplement. Je crois que j'ai le truc qui me donne plus d'abomination. Mais c'est très bien. C'est très bien que j'ai ça parce que... Parce que ça sera long à faire sinon. Merde, putain. L'égide australe. Oh putain. Le bateau, il est sur une caisse à savon. Si c'est ça, X. Enfin, c'est A et X. Voilà, un trophée. Il vaut de l'argent. Bon, il n'y a plus de place ici. Et c'est là que c'est cassé. On met ça là et on avance. On s'en fout, il n'y a pas d'abomination visiblement. Sinon, il y aura le truc au-dessus. Inspecter, photographe. Le pêcheur, je ne m'attendais pas à vous voir si loin au sud. Ma foi, le hasard fait bien les choses. Il y a un narval quelque part dans le champ de glace. Je n'ai pas pu aller plus loin. Alors j'ai essayé de le prendre en photo d'ici, mais sans succès. J'ai tenté de placer des morceaux de poisson sur cette banquise là-bas pour l'attirer. Sauf que je n'en avais pas assez pour retenir son attention suffisamment longtemps. Je l'ai juste entreaperçu. Vous n'avez pas moyen de faire don de poisson cette grande cause qu'est la photographie animalière? Remplissez n'importe quel espèce. Total, je doute que Narval fasse la fine bouche. Il me faut plus de poissons, je n'ai pas assez. Quoi, retourner pêcher, hein. Des petits, ils sont très bien parce qu'ils peuvent, caler les trucs, là. Donc on va pêcher cela. Oh, une abomination. Oh, une abomination. Oh là là. Oh, on va avoir toutes les abominations du poisson des glaces. Bah, je crois que c'est déjà fait. Hein. Oh, on en avait deux d'un coup. Attends, je vais juste regarder l'encyclopédie. Non, ça c'est la carte. L'encyclopédie. Je vais voir l'abomination de ça. J'ai les trois abominations, ça c'est fait comme ça. Putain, il y a de nouvelles abominations. On va faire des tas de choses en fait. Mais je ferai pas le 100% full encyclopédie en stream, je le ferai hors stream ça je pense. Parce que ça c'est un truc qui m'intéresse. Remplissez totalement l'espace. On va essayer de garder mes abominations, elles m'ont doré. Bah ça c'est bon, je pourrais tout garder, comme ça je les vends. Je vais pas trop prendre de risques et éviter de trop conduire la nuit. Hein. C'est parfait, à présent coupez vos moteurs, il faut guetter dans le silence complet. Une attente silencieuse, putain elle va me faire partir de nuit la connasse. Ah. Chut, je crois que j'entends quelque chose sous la glace. Et c'est comme ça qu'on débloque le chemin. Mais qu'est-ce que c'était que cette horreur? Je vais pas rester là pour le savoir.
Moi non plus parce qu'il est minuit en fait. Attends, je suppose du coup on a libéré le narval. Et ça va être le narval la menace de cette zone. Il y a aussi une tempête. Ah oui, la tornade, ça nous... un peu dans la merde, non, je sais plus ce qu'elle fait. J'ai vu un truc rouge là-bas. Il commence à apparaître les monstres? Bon, on va voir notre pote là. Attends, on voit le phare, mais il est si loin. J'accepte d'acheter du poisson pourri qui n'est pas tout à fait frais. J'accepte, oula, d'acheter du poisson s'il n'est pas tout à fait frais, mais pourri, c'est trop. Vendre. Vendre. Oh, 42. Vendre. Vendre. C'est vrai qu'il y a les grands casiers, hein. Rendement 3 par jour. Un casier à crabe plus résistant. Eh, je vais en prendre un, hein. Il me faut des... Eh, mais j'en ai sans doute dans ma réserve, en fait. Non, j'en ai zéro. Bon, on va placer des casiers à crabe dans le coin, hein. 270 balles. Hein. Putain, mais elle en a qu'un. Je vais en acheter plusieurs. 3 par jour, 8 jours, 2-3 par jour. 5x4, 5x5. 4x4, là, c'est des tout petits, là. 5x4. Mais 2 par jour seulement. Dock flottant, non, chantier naval. Il y a quelques trous sur ta coque, je les répare. J'ai pas beaucoup conduit de nuit, parce que j'ai beaucoup attendu, donc je peux dormir, ça me suffira. Je sais plus comment fonctionne le système de casier à crabe, donc je vais avancer par là, en poser un dans le coin là. Non. Ça a même plus joué. Hein. Jeter. Non mais attends. Jeter, c'est le mettre à la poubelle. Chalut. J'ai pas de chalut. Célérité, bannissement, manifeste. Photo, c'est la photo. Casiacra. S'il y en a beaucoup. Voilà, c'est comme ça, Casiacra. 100 mètres. Il y aura beaucoup de trucs ici. Si on a beaucoup, on va le mettre là alors. J'en ai plus. On peut reprendre atrophie, non. Célérité. Bientôt on aura les raccourcis. J'ai cru que j'allais taper. Là on est dans une zone qui fait peur, hein, je pense. Non, ah. Non, tout ça j'ai. Poisson des glaces, on s'en fout. Un trésor! J'ai failli me faire avoir, je me souvenais plus comment fonctionnait le dragage. Oh! La moitié de charrue! Je peux dormir là? Je pense que je dormirai là, lui. Un vent froid balaye l'embrasure de la seule cabane encore debout. Derrière elle, un site de fouille a recouvert la glace et jonché d'outils. Non, recouvert de glace et jonché d'outils et de débris. Fragment de glace. Oh putain. Une lumière transperce la glace, intensifie et se concentre sur une lueur au centre. Une forme sombre s'y matérialise. On colle une oreille. Une voix déformée résonne à l'intérieur. Ne dérangez pas la glace. Qui êtes-vous? Le capitaine, l'expédition cartographait les champs de glace, apparut brusquement à travers la glace. Qu'est-il passé? Il a murmuré, promis, pierre des étoiles. Il savait que Troie entendrait le cœur sous la glace. Alors je connais pas toutes les le lore de Cthulhu, mais est-ce qu'il y a un monstre de glace dans Cthulhu? Je me dis que ça peut peut-être être ça le truc. La voix s'intensifie. Il a ordonné trois témoins, trois sacrifices pour trois yeux. J'ai obéi, mais un quatrième voix à présent, à jamais futile.
L'ombre reste muette pendant quelques temps. En sommeil, toujours partir, il vous voit avant qu'il ne murmure. Oh, est-ce que je fais ça maintenant? Faut pas déranger la glace, il vient de me le dire. Hein. Je fais pas ça maintenant. Hein. Trouvez ce dont parlait la voix. Une voix s'élève dans la glace du champ central. La cabane gelée. Vous entrez dans la petite cabane dont la porte est tombée sous de ses gonds depuis longtemps. Une table vermoulue trône à l'intérieur. Une carte sommaire des environs a été dessinée sur un morceau de papier. Vous la joignez à votre propre carte. Un livre imposant est posé sur la table. Il n'a pas été épargné par les assauts du temps, mais vous lisez quand même les mots « Journal de bord » gravés sur la couverture. Vous ouvrez le livre dont la reliure gelée craque pour la première fois depuis des décennies. Quelle page voulez-vous consulter? La première, le 30 mai 1847. Arrivé au champ de glace flottante, sous un brouillard épais comme la poix. Quelques canaux mènent à travers la glace, mais les énormes blocs qui dérivent sur notre chemin représentent un réel danger. J'ai ordonné de nous amarrer contre le mur de glace extérieur, le temps que les ingénieurs modifient le navire comme il se doit pour poursuivre notre route. Quelle page voulez-vous lire? 1er juin. Le navire a été pris en chasse par un narval, particulièrement agressif. Les hommes ont placé du poisson sur la glace pour tâcher de le distraire. La méthode a semblé porter ses fruits, du moins temporairement. Il a refait surface en exigeant d'être ainsi nourri à plusieurs reprises. A défaut de solution plus pérenne, il nous faudra veiller à avoir assez de poissons pour satisfaire le monstre. Quelle page voulez-vous consulter? La dernière, 4 jours plus tard. Alors que je sombrais dans le sommeil, une voix toute puissante m'a parlé, résonnant dans l'épaisse glace sous mes pieds, puissante et éthérée à la fois. Il ne s'agissait en rien d'un caprice du vent, ni d'une farce de l'équipage. Sans attendre une quelconque réponse ou réaction de ma part, elle a murmuré une prophétie cryptique. Son sens m'a d'abord échappé. 3 témoins entendront le cœur, en m'intimant de laisser faire ces témoins. Elle a évoqué une fortune infinie venue des étoiles et des yeux qui s'ouvrent sur le monde. J'ai passé le restant de la nuit dans un demi-sommeil enfiévré, tant le son de cette voix résonnait encore et encore dans mon esprit. Au petit matin, le Bosco et le navigateur sont venus me voir chacun à leur tour, en prétendant avoir entendu comme un battement de cœur lorsque les hommes creusaient hier. Ils m'ont fait part de leur envie d'explorer les confins qui occidentales, du champ de glace, je compte les laisser faire. Quelle page voulez-vous consulter? Partir. Ah, c'est la recherche. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs du coup? Non. Il n'y a rien de nouveau, donc j'ai tout. Donc ça sert à rien d'acheter des points de recherche. Il y a un truc doré là-bas. Faut mettre à manger pour le narval pour s'en sortir. Putain, je peux pas y aller là-bas. Bah du coup, je fais comment? C'est peut-être un autre trésor, mais... S'il faut le brise-glace pour aller chercher une pièce de brise-glace... Particulier. Oh, dis donc. Belle bête. Mais ça sert à rien parce que je crois que je peux en mettre qu'un seul des comme ça. Dans le truc du narval. Quatre, cinq, six. Il en fallait 6 en plus. Là j'en ai un, 2, 3, 4, encore 2, et je peux nourrir le narval avec ce que j'ai. Il aime bien les abominations de narval. Dans le doute j'en prends un autre. Inspecter. Laissez du poisson ici, attirer le narval. Il n'y a pas un... Ah, putain, il en fallait... Non, il en fallait que 5, en fait. Il n'y a pas un moyen, genre, pour passer de l'un à l'autre? Ah si, à faire comme ça. Hop, hop. Vite. Après, le temps s'écoule pas quand on est là, mais bon. Est-ce qu'il veut bien une abomination? C'est ça que je voulais voir. Plus qu'un poisson ne peut tenir sur le tas. Eh mais je suis vraiment collé là, est-ce qu'il va pas me foncer dedans? Non, tout va bien. Nous explorerons ça demain, voilà qui devrait le sustenter du moins quelques temps. On explorera ça demain, là je vais dormir. Hein. Putain, le battement de cœur dont il parlait on l'entend, c'est horrible. Oh, ce jeu a une ambiance qui me terrifie.
Repos. Repos jusqu'à l'aube, oui. Hors de question que je conduise de nuit. C'est quoi ça, Y? Et tu as encore 50%. Je sais pas ce que ça fait, ce que ça permet d'avoir, ça. Sommes fiancés. Ah oui, c'est les journaux. 3 sur 9. Il manque d'autres parties de journal de bord. Encyclopédie, bon, ça, on s'en fout. Ce sera pour moi plus tard, quand je ferai le 100%. On va directement... Non, on va aller par là, on n'a rien vu par là. Avant d'aller au truc du narval direct. Ok, là il y aura du brise-glace à faire. Il y a beaucoup de vent par là. Hein. Il en faut 5, j'en ai 2, 3, 4 et 5. Voilà, comme ça si jamais je tombe sur un autre truc de narval, je peux direct le nourrir. Voilà, par exemple ici. Allez, vite, vite, vite. Voilà. Plus aucun poisson ne peut tenir sur le tas. Et nous allons aller par là, donc. Voilà qui devrait le sustenter au moins quelques temps. Par là pour la suite de l'aventure, sachant que j'ai un début de carte. Bon, par là, il y a un autre truc où on peut pas aller. Là-bas. Oh, putain, j'ai pas envie de trop rester ici. Hein. C'est une main, ça? C'est une main qui sort de l'eau? C'est une patte avec des griffes? Putain, connard. Putain, ça fait tellement défendre en plus. J'aime les pattes folles. Bonjour Dacromumu. Non là elle me fait... elle est trop grande la patte, elle me fait peur. Allez, il y a un gros poisson là. Un requin gobelin. J'aime pas regarder comment étaient les os, ça se trouve c'est un requin que j'ai déjà. Je pense qu'on va retourner voir la... Ah mais ça m'arrête. Il y a encore quelqu'un. Ah mais là c'est un des sacrifices. Joueur. D'accord. Vous amarrez votre navire contre une petite plateforme de glace constituée d'une gigantesque main griffue. Eh mais au fait, le chat il apparaît où là? Il apparaît en haut à droite? Ça n'a aucun sens. C'est pas grave, je laisse là. Vous n'êtes pas le premier à trouver cet endroit. La glace est parsemée des vestiges d'un camp abandonné de longue date. J'en ai 3 sur 9, donc je suppose qu'on va trouver 3 morceaux de papier par personne gelée. Fragment de glace. Une colonne de glace d'aspect peu naturel surplombe des restes de matériel ensevelis sous la neige. Une forme sombre s'agite à l'intérieur. Collée une oreille. Une voix vous appelle, lointaine et déformée. Il y a le Bosco et le cartographe, du coup. Piégé. À jamais. Cette prison. Faites-moi sortir. Prisez-la. Trouvez un moyen de me libérer. Qui êtes-vous? Le navigateur. Non, le navigateur, pas le casseau. Trouvez un passage sûr. Cartographiez la glace. Il est venu par-delà. Prisez-la. Trouvez un moyen de me libérer. Que s'est-il passé? Les coups de pioche, la glace fissurée comme une toile, réveillée, le cœur de glace. Je lui ai dit, murmura l'ouest, emmener le Bosco, à l'est, revenu seul. La silhouette sombre tressaille en faisant vibrer la glace. Le lendemain, ici à la rame, le capitaine, vu les griffes, étreindre mon âme, il a insisté à installer le camp, l'ombre de la bête. En attendant les étoiles, la nuit, j'ai vu sa silhouette, soudain, engloutie par le froid, dans les ténèbres. Il m'a laissé briser là, trouver un moyen de me libérer. Moi, j'ose pas, hein. J'ai pas envie de faire ça maintenant. Hein. On verra plus tard, mais je sens que c'est la merde. Hein. Il ne reste que très peu de matériel. Celui qui a installé ce camp était mal préparé. Dans un petit sac, vous trouvez un journal relié de cuir. Quelle page voulez-vous consulter? Le 4 juin. On s'est arrêté au 5 juin. Donc,
Les hommes ont passé la journée à creuser. Ils ont... Là, il va entendre du coup des battements de cœur. Les hommes ont passé la journée à creuser. Ils ont traversé plusieurs strates de glace. Certaines brillantes comme le cristal, d'autres d'un bleu profond plus envoûtant que le saphir. Mais aucune n'avait la lueur de cette nuit-là. Cela dit, j'ai remarqué une perturbation dans les glaces à l'ouest. N'était d'abord qu'un lointain grondement régulier. Plus les hommes creusaient, plus la pulsation s'accélérait, se renforçait, jusqu'à ce que j'arrive à voir la glace se soulever à la surface. Je vais devoir en enfermer le capitaine. C'était peut-être que le narval de l'autre fois, mais j'ai l'impression que l'envergure diffère. En écrivant ces lignes, je sens déjà mes yeux qui se ferment. Ça devra attendre jusqu'au matin. Quelle page voulez-vous consulter? Le 7 juin. Ce matin, le capitaine a émergé du brouillard, seul à la rame. Apparemment, le Bosco occupe un camp à l'est en attendant le crépuscule. Leurs recherches n'ont pas abouti, mais ils tombent sous le sens que les lumières seront plus visibles de nuit. Demain, nous partirons pour l'ouest, en direction de cette glace mouvante que j'ai signalée. Quelle page voulez-vous consulter? Le 8 juin. Nous sommes seuls sur une petite île de glace. Donc là, c'est ici, je suppose. Après des heures à suivre d'étroits canaux à la rame, nous l'avons vu qui se dressait à travers le brouillard. Une griffe gigantesque, monstrueuse, jaillissant des profondeurs. La créature à laquelle elle appartenait a dû mourir de longue date, puisque la griffe est figée dans la glace. J'étais d'avis à faire aussitôt demi-tour, mais le capitaine a tenu à ce que nous enquêtions. Fébrile, il tressaille au moindre son, sa tête oscillant constamment de ça de là. Il est persuadé que quelque chose va se produire à la nuit tombée. Alors que s'estompèrent les dernières froides lueurs du jour, j'ai l'impression que la nuit sera longue. Quelle page voulez-vous consulter? Partir. Ouais, parce que l'autre, il a bien dit, laissez la glace, en fait. Laissez-la tranquille. Et je suppose qu'en libérant les gens, il y a des chances que ça libère la bête. Je trouve pas. C'est où la sortie? Quel enfer. Quand Central est derrière, donc faut aller vers le bas. On va aller par là. C'est bien ça, hein? Oui. Quand il y a un camp central ici où je peux dormir. Ici il y a des matériaux, j'ai pas besoin de matériaux, j'ai déjà tout. Et là je vais tout droit par là. Je vais retourner, je vais déposer des trucs et vendre des poissons, j'ai trop de choses sur moi. C'est par là. Non c'est pas par là, c'est où? Il y a un autre chemin? Putain mais oui je suis arrivé du nord. Quel gros con. On va aller dormir là finalement. Ça m'arrive. Repos. Voilà, on va être là, on est mieux, non? Ah, on est bien là. Je peux poser les trucs à la réserve, remarque. Je suis en train de me dire. Ma réserve. Est-ce que j'ai de la place pour poser ça là? Non, je peux poser ça nulle part. Merde, parce que c'est grand. C'est quoi ça? De la pourriture. Bon, je peux le jeter aussi, il est avarié, c'est bon. Bon voilà, ça me fait de la place comme ça. On lève l'ancre. Et nous allons donc à l'est. Parce que j'ai ouvert un truc à l'est. Et donc j'ai trouvé le dernier morceau, je suppose. Voilà. Il y a une deuxième patte ici. Juste voir la carte. Donc ça, c'est les deux mains sont là. Donc effectivement, il est grand. Hein. Dragué. Putain, quel connard. Très bien. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire le brise-glace. On va juste s'amarrer. Un autre camp de fortune construit dans l'ombre d'une main griffue gelée. Quelqu'un les cherchait activement. Fragment de glace, une colonne de glace. Voilà, on colle l'oreille. Une voix pleine d'angoisse s'écrie du tréfond de la glace. Venez-moi, tant d'années, figé, libérez-moi. Je vous en prie, brisez la glace, qui êtes-vous? J'étais le Bosco, je suis le Bosco. L'expédition, la terreur. Je vous en prie, brisez la glace. Que s'est-il passé?
La silhouette se contorsionne et prend des formes torturées. Nous avons vu les lumières qui dansaient dans la glace, creusées profondément. Sans savoir, je l'ai entendu. Le cœur qui bat sous la glace, les craquements qui nous réveillent, les bruits à l'est. Je suis allé, le capitaine, je l'ai conduit ici, pour trouver la main dans la nuit, l'ombre des griffes. La forme sombre rétrécit. J'ai fait volte-face un bref instant. La douleur, les griffes, mon dos se froid, cette noirceur sous la glace. Je vous en prie, brisez la glace. Oui, de plus tard. Vous voyez le petit tas de matériel dans la neige. La plupart des objets sont fermement encastrés dans la glace, mais vous trouvez un petit sac à dos contenant un vieux journal. Quelle page vais-vous consulter? Le 2 juin. Le capitaine nous ordonnait d'installer le camp sur la banquise au centre du lagon. Comme nous avons vu ces lueurs dans la glace, tout le monde n'avait que le mot trésor à la bouche. La chasse au trésor n'était pas le but premier de notre expédition, mais vu que la capitaine se taille la part du lion dans tout ce que nous trouvons, ça m'étonne pas qu'il soit disposé à contourner un peu le règlement. On se mettra à creuser une fois le camp installé. Quelle page voulez-vous consulter? 4 juin. J'ai passé la journée à creuser la glace à coups de palais de pioche. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai été aussi exténué. On n'a eu le droit qu'à 2 courtes pauses de la journée. Dans la fosse, le dos appuyé contre la glace, j'ai entendu quelque chose. Ça n'avait rien à voir avec les coups de pioche, bref et métallique. C'est un vomissement sourd venant des profondeurs. À ma première pause, je ne l'avais entendu qu'une fois ou deux. À la deuxième, il retentissait à intervalles répétés, comme un battement de cœur. Quelle page voulez-vous lire? 5 juin. Le capitaine m'a surpris à parler du son que j'avais entendu dans la fosse. En un clin d'œil, j'étais face à son bureau, certain qu'il allait me sucrer ma paix. À ma grande surprise, il avait l'air d'en savoir déjà quelque chose. Il me pressait encore et encore pour que je lui décrive le son. Parce que lui, il l'a entendu pendant la nuit, du 4 au 5. Il veut... Enfin non, lui, il a entendu une voix. Il veut que je l'aide à en localiser la source. Devant son insistance, j'ai répondu qu'elle me paraissait provenir de l'Est. Demain, nous partons à sa recherche. Qui sait, j'en sortirai peut-être avec une prime en poche. Non. Non. Non, c'est ça. Voilà, comme ça, j'ai toutes les pages. Et donc, ce sont les trois... J'ai même pas regardé s'il était... S'il y avait une tête au milieu ou un truc comme ça. J'ai même pas regardé ce qui pouvait être gelé. Je pense pas, parce que sinon ça se serait vu. Donc là je vais faire le brise-glace et on va voir après. Ça je vais faire les raccourcis parce que là j'ai peur. Aïe! Bon ça va, ça en a pas. Non, on voit pas forcément de truc. Bref. Nous partons! Allez. Ah! Vérifier le casier. J'ai pas de place là. Je prends l'étoile de mer. On va les jeter pour empêcher de nouvelles choses. J'ai pas. Ah si, j'avais de la place. Tant pis. Il y en a un autre qui est sur le chemin, donc on va le prendre. J'aurais pu le récupérer en fait. Ah, c'est R. Ah ok, pour passer de l'un à l'autre. Logique. Ah mais il y a de la place, connard. Voilà. J'ai récupéré mes casiers à crabe et les poser autre part. Plus au milieu. Ça marée. Marché aux poissons. Tous les poissons n'ont pas la même valeur, hein. Oui, super. On vend ça. 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 Ça, on envoie dans la réserve. Ça aussi, on envoie dans la réserve. Très bien. Chantier naval. Il y a quelques trous sur ta coque. Pour construire un nouveau brise-glace, voilà les pièces qu'il nous faudrait. Hmm.
on a tout. Je me réchauffe un peu les mains et je m'y mets. Installation du brise-glace. Est-ce que ça prend de la place ou est-ce que c'est installé? Bon, ça devrait faire l'affaire. La proue de votre navire peut maintenant briser les morceaux de glace. Allez, donc essayez, je vous admire d'ici. Ça te dérange si j'essaye demain? Non. Ah, j'ai oublié. Avertissez-moi si vous voulez retirer temporairement ce brise-glace. Je peux le remplacer à n'importe quel de mes pontons. Camp de travail glacial. Je parcourais les plans d'autrefois, il y en a un qui décrivent un autre appareil. Ils correspondent à un découpe-glace. Rien à voir avec votre brise-glace, hein, je précise. Ça sert à découper des morceaux de glace. Si vous trouvez l'appareil manquant, je pourrais utiliser la machine pour récolter des blocs de glace réfrigérants. Les blocs de glace peuvent être mis en cale pour que les poissons se gâtent moins vite. Pratique. Voilà à quoi ressemble le matériel manquant. Il manque qu'un truc. Ok. Et bah c'est parti, on va briser la glace, hein, j'ai envie de vous dire. On va d'abord aller... je pense qu'on va prendre ça. On va les reprendre parce que ici ils sont mal placés. Je vais plus jamais passer par là maintenant que j'ai le... Ah et par contre faut forcément que ça soit à l'avant, ce qui est logique. Putain, étoile de mer par dessus bord, c'est pas grave. Putain non mais faut pas que non plus que je me défonce le bateau là. Double hélice HS. Bon, bon, on va moins vite. Oh, putain, faut que... Bon, bah, je retourne. Je fais ça, je prends ça, je fais le tour. Et je vais immédiatement retourner récupérer parce que là, c'est très lent. Je peux faire célérité pour aller un peu plus vite, mais... On va vérifier le croisé. Oh! Tout prendre. Et on récupère ça aussi. Et clac clac clac. De toute façon la glace elle va ripop je pense. Ça sert à rien de s'amuser à tout casser parce que. Très satisfaisant hein, d'avoir des trucs qu'on peut casser. J'ai même pas regardé par contre, non. Ça prend pas de place. Très bien. C'est-à-dire qu'avant mon bateau il explosait en deux trucs. Il était détruit. Là je peux me prendre 6 de dégâts. On s'amarre. Ta... Quasi à crabe peuvent rapporter gros. Hein. 43. Oh là là. Voilà, et on va donc aller au chantier naval. Il y a un truc sur ta coque. 82, parce qu'il faut aussi réparer le truc qui est HS. Voilà, bon bah très bien. Non, je voulais dormir, du coup. Bon, je pourrais dormir une fois arrivé. Il y a le narval, hein. Voilà, je me suis amarré, il est plus là. Ouh. Très bien, alors à partir de maintenant, le narval peut venir nous faire chier. Non. Voilà. C'est bon à savoir. S'en fout d'avoir des matériaux, hein. J'ai déjà tout. Comme j'ai dit, j'ai tout. Putain, je voulais regarder ce qui était mis en bas. Ah, c'est le livre de pêche qui est fini d'être lu. Putain, merde. La hache des glaces.
La poignée est fendue. Les pointes sont maculées de sang gelé. Eh ben dis donc. On va lire un nouveau bateau. 10% de chance de ne pas réduire les réserves de poissons lorsqu'on pêche à la canne. Ah ok. Non, c'est pas pêche murale. C'est pas ça que je viens de lire. Ouais, j'en ai lu un autre. Où c'est que je viens de lire? C'est le dernier. Pêche avancée. Les cannes à pêche remontent le poisson 15% plus efficacement. On sait bien ça. Trouver le découpe glace. Je dois trouver le découpe glace, mais encore. Ah oui, bah ça c'est un des. Ça c'est ce qu'elle vient de me demander. C'est quoi l'autre qu'elle voulait? J'en sais rien. On pourra aller au sud, sinon le terminus est. Putain, mais je peux casser tout ça maintenant. Tellement bien. Je vais aller au sud. C'est un narval géant avec des mains, c'est quoi? Pas effrayant. Une autre pioche. On a une autre, la même. Ah, je pense que pour les casser, pour les libérer, il faut la hache des glaces. Et du coup, il y a 4 haches à retrouver. Je pense que c'est ça. Ça m'amuse pas trop là ce qu'on voit. Une colonne de glace translucide se dresse dans l'ombre des falaises. De l'autre côté de l'eau, un visage monstrueux monte la garde au-dessus d'une tombe glacée. On colle l'oreille. La colonne vous assaille de sa colère. Assassin, trahir vos hommes, laissez ici. Votre dieu, jamais ne sommeille. La voix s'éteint. Attendez, votre ombre elle parle, une autre forme. Par pitié, sauvez-nous tous. Trouvez la hache. Mettez un terme. Le traître. Le traître, c'est le capitaine. Qui êtes-vous? Le second. La sécurité de l'équipage les a trahis. Nous aurions dû. Droit maudit. Trouvez la hache. Mettez un terme, le traître. Que s'est-il passé? Les hommes. Vu des lumières, falaises, du sud, la nuit. Le capitaine et moi, on observait, seul à la rame. Il était nerveux, surexcité. Avons franchi des murs de glace, enfin arrivé. La grande corde en vue. Les mots dérivent jusqu'à vos oreilles, certains portés par le vent. Accosté, rapidement. Sa taille, la lumière, inexplicable. Il savait. J'aurais vu Lucé, il murmurait, il répondait. Il a dit qu'il avait été choisi, lui seul. Détourner les yeux, impossible d'aider. Contemplé, battu. Main froide, une poigne de fer, le souffle coupé. Trouvez la hache, mettez un terme, le traître. Qu'est-ce qu'il y a dans la glace? La forme dans la glace se recroqueville. Je ne sais pas. Cieux ouverts, épiés, ombre d'ombre. À travers la glace, encore d'autres, encore fermés. Il ne peut pas se lever. Briser la glace, détruire le cœur. Trouvez la hache, mettez un terme, le traître. Ne doit pas se réveiller totalement. Les yeux, fermez-les, frappez le cœur. Vous frappez de toutes vos forces au centre de la colonne, où la forme sombre paraît être plus concentrée. Une profonde crevasse parcourt la colonne jusqu'à son sommet, faisant chuter les fragments de glace qui se fracassent au sol. Je pense pas qu'on les... Je pense qu'ils vont mourir, hein. Je pense pas qu'on les sauve, là. Je pense qu'il faut les tuer. Voilà. Et ça éteint un œil. Ok, très bien. La structure s'ouvre comme un fruit fendu jusqu'au noyau. Vous y apercevez une pierre rutilante, enchâssée dans des formes déconstruites, parcourue par des fragments étirés. Un cœur gelé. Je l'envoie directement vers la réserve pour éviter de le perdre. Vous en parlez de la pierre et partez. Il est 14h, nous allons dormir. Sous les yeux. Surveillé par ceci. Le jeu est quand même vraiment très bien. Hein. Il est vraiment très beau, il y a une ambiance. Moi, je suis... Donc j'ai trouvé les 3 trucs à détruire. Est épuisé. Là, c'est qu'il y a un spot qui est caché, quoi. C'était globalement ça, cette zone. Hop là. Et par là, il y a d'autres choses. Non, il n'y a rien. Très bien. Donc, on s'en va. Ah, si, on peut passer par là. On peut faire le tour de ce côté-là. Si je regarde la carte, c'est pour sortir. Je crois.
C'est bien de voir qu'il y a une sortie par là. C'est un beau poisson qui peut aller nulle part. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais faire ça. On va retourner au terminus est. Pour libérer un autre gonze. Elle est où l'entrée? Elle est juste en haut là, c'est ce qu'on voit là-bas. Et là il y a des poissons, je vais juste voir ce que c'est les poissons là. Oh, c'est des nouveaux ça. J'en veux pas, hein, je le jette. Puis on continue de pêcher. Merde. Oh là là, une abomination. Sans zone épuisée. C'est vraiment juste pour l'encyclopédie. Hein. De toute façon, j'ai plus besoin d'argent. Je dois avoir 6000 encore là. Ça suffira pour le... pour le playthrough du DLC. Ah putain. Ah j'ai perdu. Ah putain mais j'ai pas pensé à relancer mes... Y'a quoi là-dedans? Oh allez un trésor. Un anneau. Bon le dernier qu'on va libérer c'est le capitaine hein. Parce que lui, il a pas envie d'être libéré. Après, peut-être que maintenant, si. Genre, il était devenu fou maintenant qu'il est libéré parce qu'il a dit non, ne... Ah, il a dit ne brisez pas la glace. Mais pour pas le laisser sortir, il a dit ça, peut-être. Faites le terre, vous devez fracasser. Oui. Il nous reste encore le navigateur. Frappez de toutes vos forces. Est-ce que ça, on l'aurait vu si je l'avais cassé avant d'arriver jusqu'à l'autre? Je ne sais pas. Vous en parlez de la pierre et partez. Tac. C'est bien par là. Je suis pas allé en nord parce que je pouvais pas. Donc on va y aller. Et c'est juste une sortie en fait. Oui, c'est juste une sortie, mais il y a peut-être des poissons. Et je vais retourner au camp du début là. Pour vendre les poissons justement. Ça, je les connais, ceux-là, c'est les gros, là. J'aurais jamais la place de les mettre, voilà. C'est les gros, donc je m'en fous. Hey, hey, hey! Ça, on a besoin. Faut que je le garde là, quand même. Midi 9, ça va. Où est-ce que je le mets, par contre? J'ai de la place? Oh, pas de place. Si j'ai de la place, faut juste que je range mieux. Là c'est rangé comme de la merde donc ça m'étonne pas. Oh, putain il est déjà 20h hein. Qu'est-ce que je fais encore là? C'est le port qu'on voit là-bas, hein. Je fonce. Oh vite! Ok c'est bon. Ça va, j'ai pas d'œil encore, hein, donc les apparitions me terrifient pas encore. De toute façon, il faudra que je conduise de nuit hein, si je veux faire le 100% avec l'encyclopédie. Je serai obligé à des moments de conduire de nuit. Ma réserve. Non, marché aux poissons. On vend ça. Ça, elle en veut pas, elle. Très bien. On vend ça. 180, bah dis donc. J'ai oublié de poser mes casiers à crabe parce que je suis un abruti. J'aimerais voir ma réserve maintenant pour y ranger. Des cœurs gelés. Ça, j'ai toujours pas donné. Elle est là, la montre à gousset. Faudrait que je la donne. Prendre la place pour rien, là. Ça, faut que je les donne. Ça, faut que j'aille le faire. Donc, je vais réparer au chantier naval. 40 balles maintenant. C'est parce que c'est où? Ah, c'est parce que ça a réparé le casier à crabe en même temps. Il y a un poisson cool à pêcher. Il y a des abominations ici.
Ah mais bon dans les abysses, on s'en fout. J'ai déjà tout ici. Ici c'est pas considéré comme de la glace. Je pensais que c'était de la glace et que ça pouvait être intéressant, mais ça ne l'est pas. On dort. On dort, on va sauver le navigateur. La glace ripop pas, peut-être qu'elle met plus de temps. Parce que si s'il y a un truc qui permet de générer des blocs de glace, enfin un outil qui me permet ça, c'est que je pense que la glace a un intérêt quoi. Enfin la glace, il y en a besoin à des moments. Je suis jamais allé par là, et le dernier, voilà, le dernier est là-bas, donc on y va. Guide du marchand et du troc, lecture terminée. Ah, c'est bien ça comme guide. Bon, j'ai plus de livres du coup. Les cannes à pêche, non, c'est pas ça. Le prix de vente est augmenté de 5%, le prix d'achat est diminué de 5%. Et ben ça me va, figurez-vous. Il me reste une trentaine de poissons. Ah non, là c'est la pièce dont elle a besoin. Voilà, le découpe glace, faut aller lui donner. Là je sors, hein. Oui, donc on s'en fout. Je fais le tour et je re-rentre. Quoi qu'il y ait une autre entrée. Ah, je vais faire le tour par le Cap Ouest, hein, je pense. Là, c'est les poissons de glace. Oui. Putain, bah super. Ah, mais c'est les requins. M'en fous. Plus, je peux le mettre nulle part. Bon, merde. Hein. Je vais quand même pêcher pour essayer d'avoir un... d'avoir un spécial. C'est quoi ça? C'est des matériaux? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oui, il faut faire le tour de cette petite butte. Et c'est derrière. Non. C'est X. Ta-dam, tam, ta-dam, pam, pa-da-da-dam. C'est quoi là-bas là? C'est juste des cailloux? M'en fous, m'en fous. Ah, mais y a un truc là. J'ai loupé l'entrée, mais là il y a un truc, donc je vais d'abord voir là. J'avais oublié ces trucs là. Saloperie, j'avais complètement oublié ça. Le narval, on l'a pas revu, hein, ce petit bâtard. Bon, là, le troisième, très bien. Enfin, le troisième, le quatrième, d'ailleurs. Le dernier. Nous allons donc sauver lui, et puis dormir. Peut-être bien dormir avant, même. Et je vais faire le découpe glace avant. Avant de libérer le capitaine. Fragment de glace. Briser la glace. Ce soleil froid, chaleur oubliée. Terminé, me briser. Oui. Vous frappez toutes vos forces au centre de la colonne. La structure s'ouvre. Vers la réserve. Vous en parlez de la pierre et partez. Wouhou ! Je vais voir le journal de quête. Je pense qu'il doit me manquer une quête, je pense. Peut-être une autre création qu'on peut faire avec l'autre. Le sud, c'est... Non, le nord, faut aller au nord. Je pense que je vais le finir en live. Enfin, finir la quête principale. Le reste, c'est pas très... Le reste, je le ferai moi de mon côté, je veux dire. Oula. Genre les poissons qui manquent et tout, je ferai de mon côté.
Mais l'ambiance de cette zone, vraiment, elle est... Putain, j'ai plus de voix, là. L'ambiance de cette zone, je la trouve vraiment très bien. Je pense dans les trucs vraiment où j'étais le plus mal à l'aise en me déplaçant. Certes, il y avait quand même la zone volcanique, mais c'était pas vraiment la zone, c'était plus l'ennemi. Qui, dès qu'on s'approchait des petits, genre les petits piap, ils piaillaient et puis il y avait la mer qui arrivait. Genre dès que tu faisais attraper vers les petits, il fallait vite essayer de trouver une zone safe parce que tu te faisais baiser. Mais je pense les zones vraiment qui sont... Ah, il y avait les trucs du vent aussi là. Attendez. Les falaises là, elles étaient bien aussi. Genre dès que tu te promenais, à tout moment, on pouvait avoir le monstre, la murène là. Je crois que c'est murène. Il allait super vite pour te choper, c'était un enfer. Mais cette zone là, vraiment. Les marécages là. J'étais terrifié quand j'y allais. Celle-là, non. Celle-là, j'ai beaucoup aimé la zone, elle était magnifique. Mais elle faisait pas très peur, il suffisait de pas aller au milieu en fait. Et puis ça, c'est. Mais du coup, celle-là. Putain, la zone, elle est grande par rapport aux autres en plus. Et c'est presque ma préférée, je pense. Vraiment, l'ambiance ici, elle est très cool. Marché aux poissons, j'ai des poissons ou pas? Putain, j'ai toujours pas posé mes trucs, hein, je suis un connard. J'ai pas de poissons en plus. Voilà à quoi ressemble la merde. Vous l'avez vraiment trouvé? Mais comment vous faites pour dénicher tout ça dans les profondeurs? Enfin bref. J'en sers cette lame ici, et oui, ça m'a l'air pas mal. Je crois qu'il est pareil à découper. Banque de glace, froid devant. Ça marche rudement bien. Mais c'est la maison qui règle. Des petits blocs de glace. Prolonge la durée de conservation des poissons. Et comment ça marche du coup? Dorénavant, je pourrais stocker quelques-uns de ces blocs de glace à mes pontons. Merci l'ami. Mais moi, je veux juste voir comment ça marche. Ça prend pas de place. Enfin, les blocs de glace, si. Je sais pas. Nous allons donc... bon, on va s'amarrer et puis on va dormir. Hein, vu l'heure qu'il est. Ah, se réveiller. J'ai même pas essayé. Le camp de travail est désert. Ok. Y'a rien d'autre. Je me disais s'il y avait peut-être un autre truc à construire, on sait jamais. Levez l'ancre. Après, j'ai tout vu dans cette zone, hein, donc... La dernière quête, là, je sais pas ce que ça peut être. Ou alors, elle se débloque une fois qu'on a fait sous la glace. Je sais pas. Et je vais poser ces putains de paniers à crabes. Parce qu'ils prennent toute la place dans mon inventaire. Ils sont grands. Et le dernier ici. Ah, attendez. Il est où? D'accord que c'est le narval, ça. Ok. Non, dégueule. Là. Voilà. J'ai un trophée, super. Je suis très content. Là, ce que je veux, c'est là. Là, il y a ça, là. T'es pas à me dire que ça sert à rien. Ah, ok, c'est pour faire des offrandes. Bon, allez. Je fais des offrandes. Mais il y a un chemin, là. Non, c'est rien. Je me disais, ça se trouve, ça débloque un chemin qui me permet d'avoir la dernière quête.
J'ai pêché largement ce qu'il fallait. Voilà. Je vais me décaler, on va le laisser manger. Hein. Ça vous va? Peut-être si on lui met genre que des poissons abominables, il meurt. Non, je pense qu'il s'en bat les couilles. Ah c'est vrai que ça fait ça. Il y a un truc pour tuer tous les poissons et du coup on les récupère direct. Mais ils sont plus bons ou je sais plus quoi. À la fin je pêchais comme ça pour tout avoir. Fragment de glace, revenez. Le Bosco disparu craintif. Les cieux nous demeurons les conséquences héritées. Brisez la glace. Ne tentez pas de briser, il sent à travers la glace, à travers les ombres. Les ombres sans espoir. Vous frappez de toutes vos forces au centre de la colonne de glace. Les quatre yeux sont fermés, mais du coup, je pense qu'il va pas être content. Oh non, il meurt. Il y a quelque chose à récupérer. Allez récupérer votre récompense. La structure s'ouvre comme un fruit fendu jusqu'au noyau. Vous apercevez une pierre rutilante enchâssée dans les formes déconstruites parcourues par... Ah oui, c'est ça. Je peux pas voir la forme d'ici quand même. Vous en parlez de la pierre et partez. On y va. Trouver une utilité aux pierres luisantes. Ah! Je pense qu'on a accès! Oh putain! Oh, je suis un connard! Je peux plus bouger là? Si, c'est bon. Bon, bah on retourne. Putain, il est 16h. Non, on retourne pas, on va dormir. Puis je vais me réparer. Putain, je sais pas jouer. C'est hallucinant hein, d'être aussi nul. Après tant d'heures de jeu, non, en vrai, je dois être à quoi? Je vais bientôt être à 20h, je pense. Le jeu est très bien, c'est un petit jeu hein, de toute façon. Pas fait pour avoir une durée de vie limitée, mais vraiment, il a une de ses ambiances, c'est très bien. Et c'est... Il fait absolument ce qu'on lui demande. Alors ça me rappelle, je sais plus qui parlait sur Twitter, qui était fan de Call of Cthulhu, là, Cthulhu. Et qui demandait des jeux dans le même style, c'est vrai que je pourrais recommander Dredge, tout de même. J'avance tranquillement. Après, si je me souviens... Ouais, mais en fait, non. J'allais dire si je me souviens bien, le début est un peu laborieux, mais non, en fait, ça va vite. Je crois que j'avais passé, moi, j'avais joué hors stream pendant genre 4-5 heures pour farmer et tout améliorer à fond, histoire que lors du deuxième stream, quand je continuais le jeu, je m'occupe juste des quêtes, parce que j'avais tout farmé, sinon. On en cherchait en boucle des matériaux. Marché aux poissons. J'ai des poissons. Oui, j'ai des poissons. Vendre tous les poissons. Ah, il y a un bouton vendre tout. J'avais oublié ce détail. Chantier naval. J'ai pas une source limitée de matériaux de réparation. Bah, si, en fait. Moi, j'ai une source limitée d'argent, donc... En plus, tu vas pas faire la fine bouche. Je te paye. Faut bien. On va mettre ça en haut. Et mon appât, on va le mettre là où il gêne personne. Ici. Non. Hop. Revenir en ville. Ouais, bof la ville, mais on y retourne. Hein. Enlève l'ancre. Et nous partons. Plein sud. Face à la bête. M'en fous du panier à crabe. Je verrai moi plus tard.
Mais je me sentirais obligé de faire tous les succès parce que c'était un des jeux où j'avais fait tous les succès. Et maintenant c'est plus le cas maintenant qu'il y a des nouveaux succès. Donc il faut que je répare cet affront. D'ailleurs, ça, Outer Wild, je me suis lancé dans la quête des succès du jeu de base. En attendant le DLC. Là, je vais devoir faire le truc me poser là. Ça va être compliqué. Hein. Me poser sur la station solaire. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Une encre dorée. Lance aussi par-dessus bord pour créer un portail bidirectionnel réutilisable vers l'île. Ah si, d'accord, je croyais que c'était genre un portable vers... Un... Voilà, j'ai enlevé ma tête. Un portail vers... Putain, mais je me rends compte que depuis tout à l'heure, on ne me voit pas pêcher. Tant pis. C'est pas grave. Un fragment d'une corde cassée dorée. Ah, c'est un fragment de sa corde. Trouver une utilité aux pierres noires. Bah, aux pierres. Bah, ouf. Peut-être ici, je sais pas. Fragment de glace. Le site d'une ultime fuite. Et un œil plus vaste, fermé. Je vais m'amarrer et dormir, hein, vu l'heure. En fait, c'est une. C'est très bien en fait, c'est un portail. Ah, c'est bien à voir avant la fin en plus. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ah, je savais bien que j'étais une grosse merde. C'est quoi ça? Je m'en fous. Je m'en fous des stories Insta des gens. Qu'elles se vendent juste, c'est peut-être juste ça. Hein. Où est le 3, le troisième était à l'honneur. Où est-ce le 4? Je vais essayer de tout se trouver tant que j'arrive à savoir quoi, de quoi il retourne. Oui, bah ça j'ai fait du coup. Je vais mettre le portail en plein milieu ici. Parce que tous les poissons qui me manquent, ils vont être dans cette zone-là, je pense. Je vais aller à l'île de Pierre Noire, là. Aïe, ouille. Non, je voulais appuyer sur X. J'ai juste goûté le bouton. On va faire Celerity. Peut-être ici, là. Genre, c'est le cœur qui est ici. Fragment de glace. Il ne reste que des aiguilles de glace. Cabane gelée. Un livre reposant est posé sur la table. Levez l'ancre. Nous allons ici. Comment on fait? Lancer ceci par-dessus bord pour créer un portail. Let's go, faire un portail vers les enfers. Voyager. Et ça me ramène donc ici. Ah oui, c'est. Oui, c'est celle-là, l'île de Pierre Noire. Je savais plus laquelle c'était. Je vais me réparer. Parce que ma coque est endommagée, si je me souviens bien. Ah putain, par contre, ça fait méga peur. L'œil il est grand ouvert, ça le fait méga bader de se TP par les enfers. Je crois pas pourquoi. Allez voir le maire. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oh, il paraît que mon confrère, la petite moelle, a une triste fin. On raconte qu'il a soudain perdu la tête, il était normal. Il s'est mis à porter la côte en balançant les biens des gens dans la mer. Au bout de quelques jours, il a disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, l'histoire de l'ancien maire sert à effrayer les enfants. Peu de gens se souviennent de lui, moi y compris. Et ceux qui s'en souviennent n'ont pas l'air de vouloir en parler. C'est un sujet fort triste. Donc ça, c'est celui qui est... C'est lui qui a jeté, du coup, à la mer, je suppose, les... Bah non, il a fait le tour de l'île, je sais pas. Mais c'est... On s'en fout. Je vais en savoir plus sur Région, peut-être. Je vous écoute. Ah bah, il connaît pas du tout...
Ça vous trouvez pas? Non, je m'en fous, on s'en fout. Qu'est-ce que tu proposes? Rien du tout, mec. La charpentière. Les dégâts de Tegra pour empêcher le moteur de fonctionner. Attention près des rochers. Voilà. Cale sèche. Non, c'est... y a rien. On va lever l'ancre. Et repartir vers Pierre Noire. Ah, mais je peux essayer de vendre... Parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en bas, là? Est-ce que ça se vend, ça? Je vais juste voir si ça se vend. Si ça se vend pas, c'est que j'ai loupé quelque chose. Voilà, négociant. On lui vend ça pour 40-25. Non, ça ne se vend pas. J'en fais quoi du coup? Je suis juste bête? C'est possible, alors, en vrai je suis très bête, donc c'est possible que ce soit ça. Le portail. Oups, le portail. Ouais voilà, ça me terrifie de faire ça, donc on va dormir tout de suite. Ça va faire une grosse nuit. C'est bien que je l'ai mis à côté d'un ponton. Repos. Ok. Regardez là. Il me manque le succès. Terminer les quêtes principales. Terminer les quêtes secondaires. Pêcher toutes les espèces de poissons et pêcher toutes les abominations. Ah et par contre il y a ce bruit flippant à côté de moi continuellement du coup maintenant que j'ai mis ça là. Bon bah... Ouais je suis allé partout en fait, c'est bien là le problème. Peut-être au niveau du point sud maintenant il y a quelque chose, je sais pas. En prenant la sortie point sud je veux dire. Parce que je suis allé au... Je suis allé effectivement à côté du truc là. Merde, par contre j'ai plus le retour de stream maintenant que je vais faire un petit tour par Steam. Voilà. Je trouve qu'il y a une autre île qui est à côté. Hein. Peut-être que par là, il y aurait quelque chose. Pourquoi il y aurait quelque chose par là, j'en sais rien, mais pourquoi pas. Je suis jamais allé tout au sud. Je suis passé par l'ouest. Je suis passé par l'est. J'ai dit l'inverse de ce que j'avais fait. Ah ça, j'étais pas allé. Qu'est-ce que c'est que ce caillou? Juste un caillou? Ah non, inspecté. Une pierre murmure doucement, semblant faire onduler l'air autour d'elle. Des formes évanescentes dansent à sa surface. Disparaissant. Ah bah oui, c'est ça. Disparaissant que vos yeux puissent se concentrer sur elle. La pierre fan ne réagit pas. Donc ça, je ne sais plus comment ça marche, les pierres. Mais il y a un truc à faire avec les pierres. Je m'en souviens. Ça va, mon pote? Il a pas envie de sortir visiblement mon pote. Aujourd'hui c'est pas sa journée. Non, X. Ah c'est une bonne méthode pour s'arrêter brusquement ça. Quand t'es sur le point de foncer sur un truc. Oh j'appuie sur Y. Et hop il s'arrête. Très bien, retournons là, je sais pas moi, je ne sais pas. Qui suis-je après tout? Il ne reste que très peu de matériel, celui qui a installé ce camp était mal préparé. Dans un peu de ça que vous trouvez un journal de cuivre. De cuir, pas de cuivre. Bon, je vais faire un petit tour et puis bah, sinon, si je trouve pas, je pense que je vais m'arrêter là, je continuerai plus tard.
Quoi, va falloir que j'aille manger un moment. Il est que midi 30, ça va, mais bon. J'ai un truc à 14h, donc... Narval. Peut-être on peut devenir pote avec lui maintenant. Non. Visiblement, on ne devient pas pote avec le narval. Allez, je dors jusqu'à l'aube. Bon. Retourne voir vers le Bosco, hein. Peut-être que lui, il a des infos. Parce que le second, le capitaine et le navigateur ne peuvent rien me dire. J'ai déjà allé par là? Ça mène à la sortie, mais bon. Comme ça, le chemin est débloqué. Voilà. Ça marrait. Un tas de débris marque l'endroit où la colonne est tombée. Matériel gelé, vous fouillez. Vous trouvez un vieux journal. Partir. C'est vrai que le journal, on l'a lu, mais vite fait, quoi. Voilà, super. Le temps, voilà, faut poursuivre la route. La méthode semble porter ses fruits. Donc le narval, voilà, faut satisfaire le monstre. Or que je sombre dans le sommeil, une voix toute puissante m'a parlé. Trois étoiles, témoins, une fortune venue des étoiles et des yeux qui s'ouvrent sur le monde. J'ai passé le restant de la nuit dans le sommeil. Bosco et le navigateur sont venus me voir. Qui orientait à l'occidental du champ de glace. Je compte le laisser faire. Oui, très bien, il y a une grosse envergure. Truc de grosse envergure. Ce matin, le capitaine a émergé du brouillard. Seul à la rame, en attendant le crépuscule. Partons à l'ouest, en direction de cette glace mouvante. Mais le capitaine a tenu à ce que nous inquiétions. Y a rien. Ouais, y a des trésors. Dans un battement de cœur. Et ils ont trouvé la source à l'est. Bah, tout ça, on s'en fout en fait. Eh, attendez. Mais c'est juste une sortie. C'est juste que sur l'autre, il n'y a pas de sortie derrière, donc ça m'a étonné. Bah écoutez, je ne sais pas. Nous allons donc partir tranquillement. Je vais retourner parler à la dingo, là, la marchande. Ouh, pas loin. Je vais retourner parler à la marchande, peut-être qu'elle va me dire des trucs. Parce que c'est le seul PNJ vivant dans la zone, ça m'étonnerait qu'il faille aller autre part. Inspecter. Ah, une silhouette. Vous approchez d'une silhouette encapuchonnée qui semble figée sur place. Sa tunique pâle saupoudrée d'un givre épais. Pêcheur, la glace. Vous entendez sa mâchoire qui se referme d'un claquement retentissant sous l'effet du froid. La glace prend forme. Elle exige un poisson des glaces abominable. Ok. On va vite trouver un poisson des glaces abominable. Vite. Faut se dépêcher, hein. Y'a quoi ici? J'y suis allé? Je suis jamais allé là. Oh, je connais pas celui-là, donc c'est intéressant, mais... C'est un nouveau poisson, quoi.
J'ai pas le temps en fait. Oh là là. Merde. Bon stop, moi il me faut un poisson des glaces et il fait nuit. Abominable. Bah remarque, faut que je pêche la nuit pour avoir un abominable, hein, c'est mieux. Ils sont là les poissons des glaces, très bien. C'est à côté. Putain, c'est pas des poissons des glaces. C'est un nouveau poisson quand même. C'est pas un nouveau poisson. On s'en fout. Je suis où là? Je suis jamais allé là. Poissons des glaces ici, ils sont tout petits, c'est des poissons des glaces ça. Non, pêcher, oui. Non, c'est pas des poissons des glaces ça non plus. Je veux des poissons des glaces. Parce que je crois qu'il y a quoi, 2 jours? Moins même. Et j'ai envie d'être sûr. Aller en haute mer pendant la nuit, ça je sais. Oh non mais stop là, c'est bon, stop, on arrête. Ça va l'œil. Hein. Bah, du coup je fais cette quête là avant de me casser. Voilà, très bien. Mais non mais je veux pas un grand. J'ai cru que j'allais taper. Ça c'est le gros poisson. Moi j'ai des petits poissons. Non, stop, pêcher c'est un. Un cheveu sur la langue. Voilà. Je vais aller le voir maintenant. J'ai pas envie de louper un livre. De toute façon, il va bientôt faire jour. Donc, au point où on en est. Il y a juste l'œil qui est ouvert, mais il est pas paniqué, quoi. Il est juste aux aguets. J'ai envie de dire. Putain. En fait, j'ai eu peur de la lumière. Et putain, il y a un gros monstre qui arrive. En fait, c'est le lever du jour. Et le connard. Il est par là, là. J'ai déjà un poisson abominable, je m'en fous. On va repasser par là. Et après, il y a ça à aller voir, mais j'y vais après. Faisons les choses dans l'ordre. On a commencé une quête secondaire. Que je perde pas mon poisson maintenant, ça me ferait chier quand même de devoir repartir. Il est où? C'est lui là-bas, là. Très bien, on y va. C'est bon, je commence à... Ah non, il y a un peu de rouge, il commence à avoir peur, justement. Et on se dépêche, on va là. On va voir le truc qui est à droite là. La glace prend forme. La silhouette encapuchonnée place le poisson sur la glace à ses pieds et le recouvre de neige meuble avec le pied. Les étoiles quittent le ciel. Un autre parchemin. Putain, j'avais oublié qu'il y avait ça. D'étoiles de mer abominables. J'avais oublié que c'était en plusieurs étapes. Putain, il y en a 3, je crois. Merde, je vais jamais manger. Oh là! Putain, mais grosse merde, quoi. Omble chevalier. Eh, mais faut que je me calme, là, par contre, parce que j'ai... Heureusement que ça, j'ai pas perdu, parce que c'est important. On va mettre dans la réserve directe. Hein. Je retourne au camp, je me répare, je vends mes poissons, je mets dans la réserve. Inspecter. Une colonne de glace. Là, il nous faut... Ah, c'est là. On va faire ça après. Donc je vais les garder là, du coup. Je vais les garder avec moi. Et ça, c'est quoi? C'est une dalle de pierre. Vous la touchez, il ne se passe rien. La pierre murmurante, placez votre main. La pierre froide ne réagit pas. Je sais plus comment on fait réagir les pierres, mais il y a un truc spécial.
Bon bah je vais finir du coup, j'ai trouvé ce qu'on devait faire des trucs, et j'ai trouvé la dernière quête. Donc on va rapidement vendre nos poissons, se réparer, aller en plein milieu pour récupérer les trucs là qu'on avait en... qu'on a placés là. Les casia crabes, je vais en poser un autre d'ailleurs. Marché aux poissons, tous les crabes ne se trouvent pas en profondeur. Oui, super. Je vends tout. Chantier naval. Il y a une fuite dans mon bateau. Et nous allons donc... marché aux poissons, acheter un autre casia crabe. Un grand comme ça. Très bien. Ah, stop. Voilà. On va tous les mettre au même endroit. Vérifier casier. Oui. Non. Est-ce que je... je regarde si dans l'autre j'ai un crabe pourri, ça se trouve c'est ça qui est le dernier truc qu'il me demande, un truc abominable là encore. Non, j'en ai pas. Très bien, on se casse. Oh putain! C'est ça qu'il me faut, je vais prendre célérité. C'est vrai que je peux faire bannissement aussi pour faire fuir les bestioles pendant la nuit là. J'ai envie d'aller le voir maintenant, hein, le monstre, mais en même temps il fait nuit. Il m'a donné la quête ce matin, je pense que je vais pas mourir. Enfin ça va pas le tuer si je dors là. Genre je me réveille à 3h30. Voilà. Comme ça j'arrive, c'est le début du jour. Non mais stop là. Je sais plus si c'est 2 ou 3. Pour moi, c'est 3. 3 poissons qu'il faut leur donner, là. Aux silhouettes. Plus vite. Plus vite que la... que la... que la musique. Elle est là. On va lui donner son étoile de mer abominable. Les étoiles quittent le ciel. Un autre parchemin. Les étoiles sont disposées en cercle sur le sol. Quelques instants plus tard, un talon musclé les piétine jusqu'à la dernière. Chuté dans les profondeurs. Un ultime parchemin. Astéroscope. C'est un truc que je connais pas, ça. On va aller dans la lisière pâle. Bah ça... si c'est ça là. Mais c'est un gros, donc ça doit être son équivalent pourri là. C'est... ah putain, c'est toujours le dernier que je fais. Ça doit être lui, et l'abomination elle est énorme, c'est ça. Donc il faut avoir un chalut. Donc on va installer un chalut. Bah je peux... c'est plus rapide de faire comme ça je pense. C'est plus rapide de faire ça. Comme ça, j'arrive ici. Je vais installer le chalut. Je me TP. Après, le problème, c'est qu'il va falloir que je dorme, du coup. Mais je pense que j'ai au moins 3 jours, en vrai. Charpentière. Non, je vais aller là.
C'est en côte. Putain, non, en fait, elle fait pas. Oh, la baise. Elle fait pas les. Il y a que l'autre. Ah. La baise. Je me suis TP pour juste perdre toute ma raison et c'est tout. C'est la seule raison pour me TP que j'ai eu pour me TP. C'est là, c'est là. Putain, je trouvais plus. Allez hop, là c'est parti pour être totalement paniqué. En plus, il y a le narval qui va me foncer dessus. Faut que j'aille installer mon chalut. Et que je pêche dans la glace. Et je vais pêcher en étant totalement paniqué, tant pis. Hein. Je prends le bannissement au cas où. Chantier naval. Va bien, ça fait un moment que tu es là, t'as besoin de repos. Oui, non, t'inquiète. Voilà, elle a le chalut de glace que l'autre n'a pas. C'est talisman. Ça permet quoi ça? Ça m'augmente ma vitesse de pêche. Ça, j'aimerais le désinstaller et le mettre dans la réserve pour pouvoir installer ça. Ah putain, merde, je peux pas. Oh, quel connard. Désinstaller. Et on le met là. Et on installe du coup. Ça me repose pas en plus d'installer des trucs. Je peux pas faire une sieste en même temps. Putain, mais du coup je vais pêcher de nuit. Non mais faut que je dorme là. Repos. Alors le DLC, bonjour D-Girl. Bah, je suis bientôt à la fin, il est très sympa. Hein. La quête, j'en suis où là? Pêcher un uraoscope, là, je sais pas quoi. Chalut. Mais du coup, c'est quoi? C'est ça. Juste plus de poissons. Non, non, c'est ça, là, c'est une nouvelle zone. Regarde la carte. C'est, je savais que c'était une nouvelle zone. C'est The Pal Ridge. C'est une zone de glace. Il y a deux nouvelles quêtes. Construire un brise glace, trouver des pierres luisantes, s'occuper du narval. Et une nouvelle silhouette. Je sais pas si tu te souviens du jeu, mais dans chaque zone, il y avait une silhouette. Et là, je fais les quêtes de la silhouette avant de finir le DLC. DLC se fait vite, hein, mais la zone est vraiment très bien. Et puis, le DLC coûte pas cher, donc... clairement, ça me... C'est très bien. Moi, je voulais, ça me va très bien. J'ai zéro poisson dans mon chalut. Comment on fait pour voir ce qu'on a dans son chalut? Il est, c'est là. On va le planter. Mais c'est le bon que j'ai pris au moins? Oui, il peut prendre dans la glace. On continue, on se promène. C'est pas juste une zone. C'est une zone avec du coup de nouveau, ces nouveaux poissons et tout, et ces nouvelles quêtes. Il y a les quêtes qui vont avec dans la zone. Non, il y a beaucoup de poissons ici. Ça rapporte quoi le DLC? Bah une zone avec des quêtes. Mais après pour la quête principale, je suis pas sûr que ça joue pour la quête principale, mais chaque zone avait un petit peu sa quête qui nous donnait un objet pour finir la quête principale. Mais comme déjà il y a les 4 zones qui donnent les 4 objets qui finissent la quête, là ça donne juste un objet, je sais pas encore, je vais voir. Les quêtes elles sont indépendantes. Oui, c'est vraiment un truc séparé. C'est genre, ils le disent très clairement, comme c'est un truc de glace, genre ça a apparu il y a pas longtemps, ça a dû dériver depuis le sud. Ils disent très clairement, c'était pas prévu, c'est nouveau. Mais oui, les quêtes sont indépendantes. Pourquoi je pêche rien par contre avec le chalut, ça me saoule. Ah, un poisson. C'est pas ce qu'il me faut. Et il prend toute la place lui en plus. Il n'y a pas d'histoire complémentaire ou de réponse donnée. Bah, on avait toutes les réponses qu'il nous fallait. Après, il y a une nouvelle quête. En gros, c'est une quête secondaire, mais qui a autant d'importance que les quêtes principales dans chaque zone. Je veux dire, elle est aussi conséquente. Elle a plusieurs objectifs qui se suivent et tout. Mais non, ça n'avance pas la quête principale, puisque la quête principale était déjà très claire. Ils vont pas en rajouter pour en rajouter, quoi.
pas, m'en fous de ça. Et là j'essaie de pêcher un poisson pour la silhouette, mais c'est compliqué du coup. Je connais pas l'histoire de... Je connais pas l'histoire de... Mais du coup dans l'histoire elle était... Elle se suffisait elle-même, tout était très clair, il y avait plusieurs fins qu'il fallait. On aurait pu, éventuellement ça aurait pu être un DLC sur le passé du personnage, mais ça aurait pas été très intéressant non plus. Voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire de plus. En tout cas, le DLC est très sympa. Et puis l'ambiance est vraiment très bien de ce DLC. Hein. Mauvaise fin. J'ai fait la bonne, mais hors stream. J'ai eu la mauvaise fin en stream et j'ai gardé la bonne fin pour le hors stream en disant, si jamais vous voulez voir la bonne fin, achetez le jeu. Mais même si la bonne fin est très belle, je trouve vraiment... Putain, les bâtards! Oh! Il y a un saumon royal qui est apparu du coup. Mais genre, elle est apparue sur moi! Alors c'est parce que j'ai pas regardé peut-être. Mais oui, je disais quoi? Après, Même si la bonne fin est très bien, t'as pas regardé, d'accord, c'est pour ça. C'est parce que je regardais le stream. Regardais le chat. Non, elle est trop loin l'autre. Je vais en jeter un, on s'en fout. Jeter lui. Mais du coup, l'autre, il faut que je le déplace parce que là. Non! Non, je ne sais pas les toucher. Voilà, pour avoir plus de place. Mais. Du coup, même si la bonne fin est très bien, la mauvaise fin, je la trouve magnifique. Juste de manière graphique. Putain, il est 13h, il va falloir que j'arrête dans pas longtemps là. Le jeu là. Si jamais je trouve pas le poisson qu'il faut, je vais juste me contenter de finir la quête, hein, autrement. On va juste réparer. Oh, ça va, hein. Blablabla, je répare. Qu'est-ce qui est apparu? Un saumon. Super, j'ai un saumon. Je vais aller finir la quête principale, je pense, hein, si vraiment ça... Enfin, la quête principale de la zone, si vraiment il me trouve rien. Je m'en fous d'avoir un poisson des glaces. Oh, là-bas, il y a le narval. Il me suit là-dedans? Non, il me suit pas. Il me suit! C'était pas prévu, ça. Pour moi, j'étais tranquille ici. Si vraiment maintenant, je suis tranquille. Ah, toujours pas. Putain, je l'ai baissé, l'autre truc, en plus. X. Voilà, on finit la quête. Inspecter. Une cône de glace translucide s'étend dans le noir. Des profondeurs, une lueur illumine par à coup 4 anfractuosités rondes. Je sais pas ce que c'est une anfractuosité. Mais nous y allons. La lueur s'intensifie et s'insinue dans les quatre pierres. Oh putain, t'as fort. Et s'insinue dans les quatre pierres. Une toile de lumière se tisse entre elles pour les relier, les rassembler, les unir. Nous avons donc un nouveau chalutier, un nouveau chalut. Bon, évidemment, la récompense de la quête, vu que c'est pas une quête principale, c'est un objet, mais bon. Ouais, t'arrives sur la fin de la quête, donc forcément, c'est pas non plus... Mais sinon, l'ambiance était très bien avant. Bah c'est très fort, ça. On va le garder. C'est ça qu'on va mettre à la place de celui qu'on a. Mais je veux pas l'installer maintenant. Alors si, je l'installe. J'installe moi-même. Et le chalut fragile, il va vers la réserve. Quelque chose se glisse dans votre cale. Ah! C'est quoi?
Oui, bah, c'est un poisson pourri, quoi. On le jette. Du coup, j'ai mon nouveau chalut, hein. C'est avec ça, j'attrape pas direct le poisson qu'il me faut. Paf, maintenant, je peux briser la glace aussi, hein. Dans la quête, il y avait un truc à prendre à briser la glace. Je l'ai fait. Oh, il est tellement plus grand que l'autre. Ah, parfait, c'est lui qui, c'est exactement lui qu'il nous faut. Et la silhouette est encore là, très bien. J'ai eu peur que ça soit la fin, quoi. Chuter dans les profondeurs, un ultime parchemin. Voilà. Quoi, il est où? Il est dans mon filet. Non, c'est pas lui, non. C'est pas la version abominable. Faut que je continue à me promener. Putain, merde, j'avais cru que c'était la version abominable parce qu'il est dégueulasse, en fait, non. Faut que je tourne en rond devant lui, en fait, visiblement. Ça a vraiment marché de faire ça. Mais non, mais de toute façon, j'aurai une notif. J'aurai une notif qui me dit, vous avez vu quelque chose, vous connaissez pas. Je vais tourner en rond devant lui. Puis voilà, tranquillement. Non, je vais me promener un peu quand même. Ça sert à rien, j'ai pas de notif, donc je m'en fous, on continue. Après, c'était du coup pas du coup tout dans la zone au milieu, c'était par là. On arrive au pic du stream là. Ah oui, clairement. Là, il est bien en ce moment. On va se regarder, j'ai encore de la place. J'ai encore de la place. J'ai plein de trucs abominables, mais pas ce qu'il me faut. Peut-être un peu plus loin dans les profondeurs. Est-ce que c'est noté la zone où on est? Là, en ce moment, c'est pas noté où je suis. Sur la carte, non. Parce que j'ai l'impression, j'ai peur de trop m'éloigner, de me retrouver dans les océans. Alors que c'est un poisson qui se pêche dans la glace. Mais au bout de 3 jours, si on lui donne pas, il meurt. La silhouette, donc ça me ferait chier parce qu'il donne des récompenses sympas. Il donne des bouquins. Les bouquins, ça augmente les compétences. Super, on a plein de poissons, mais pas ce qu'il faut. On va faire un tour complet, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais non, parce qu'il va faire nuit. Dès que je vais loin trop, je vais mourir. On fait demi-tour et on repart. Wouhou! Toujours pas. Enfin, je vais aller vendre tous ces poissons, je vais me faire tellement de thunes. Ah bah l'œil s'est fermé, très bien. Après, il fait nuit là et je suis encore dehors, donc il va bientôt se rouvrir. Attends, dès qu'il fait nuit, le jeu, il te fout une ambiance directe. Ok, tu vois plus à 3 mètres de toi. Ok, super. En plus, j'ai plus de lampe, parce que je l'ai pété. Hop, je vais juste voir. Toujours pas. Mais là, je vais plus avoir de place en fait. Ça dépense pas de temps, je crois, d'être là-dedans. Voilà, très bien. Voilà. On peut ranger un peu, quand même. Qu'est-ce que j'ai eu, du coup? Toujours pas ce qu'il faut. Très bien. Je vais longer par là pour retourner jusqu'à la... jusqu'au port pour vendre mes trucs. Ensuite, je reviens. Et si, dans cet aller-retour, je retrouve pas le poisson, tant pis, je m'en vais. Tant pis pour la quête. Maintenant je peux.
Je place ma main. La pierre froide ne réagit pas. Bon, je sais toujours pas. Je me souviens plus pour les pierres froides. Je l'avais réussi sur mon autre partie, mais là, je sais plus. Oh, ça va, des petits yeux là. Ça va, j'ai à peine peur. Vous pouvez arrêter maintenant. Merci. Plus qu'un, hein, je peux en ramasser un. Prochain poisson que je ramasse, faut que je jette des trucs. De toute façon, j'arrive en ville, je vais tout vendre. Enfin, en ville. Campement de fortune de l'autre dingue. Visiblement, on est terrifié. Très bien. Marché aux poissons. Tout est à vendre. Nous allons tout vendre pour 600 balles. Bah voilà. J'ai un truc cassé ou pas? Non, je me suis... Ah, si, j'ai un truc cassé. Ah oui, mais ça prend du temps de réparer. J'ai pas le temps. Tant pis. Je répare pas. C'est quoi là les... Encyclopédie. Les quêtes. Encyclopédie, je peux regarder vite fait, voilà. Prise 5. Toujours pas ce qu'il faut. Ça se pêche n'importe quand dans la lisière pâle. Il reste à pied à attendre que la nourriture lui tombe du ciel. Non mais je vais pas changer parce que j'ai peur que ça marche plus. Oh ça va, c'est bon, c'est que des poissons, n'aient pas peur. Non mais c'est ça le bouton, arrête de me tromper. On avance. Je vais jusqu'à la silhouette, si j'ai rien, tant pis, je retourne dormir. Parce qu'il faut dormir pour sauvegarder, je crois. Et je peux pas dormir à la silhouette. Lance glaciale, c'est quoi la lance glaciale? Oui, bah c'est bon, on s'en fout de pas pouvoir pêcher, on n'a pas l'intention de le faire. Hop, toujours rien. Très bien, et ben on va... Je vais dire au revoir à la silhouette alors. Désolé mon vieux, tu vas sans doute mourir. Chuter dans les profondeurs. Bah ouais mais... Adieu hein. Cassons-nous. Toujours pas la version abominable. Hein. Allez hop. Ding. On peut pas pêcher de toute façon. Regardez, on sait jamais, imaginons. Elle retourne à la maison. Tant pis. Ah mais j'ai que les versions de base. Ah, j'en ai pêché 6. 6 ou 7 je crois. Voilà, très bien. Nous allons nous arrêter là. Bon bah on a fait la quête principale, presque toutes les quêtes secondaires. Hein. Il nous reste celle-là. X. Et on va quand même se réparer. Ah oui, parce que je suis à 4. Voilà. Si je fais level langue, ça sauvegarde, c'est ça? Comment on voit quand ça sauvegarde? Alors c'est au réveil peut-être? C'est les matins? En haut à gauche, non. Ah, peut-être. Oui, c'est ça, en haut à gauche. Je regardais en bas à gauche, moi j'ai l'habitude de faire en bas à gauche ou en bas à droite. Ok. Eh bien, je finirai ça moi plus tard. Voilà, ça c'était les quêtes du jeu de base. Qui avait 4 zones. Là, c'est une zone qui avait 5 quêtes, c'est déjà pas mal. Hein. 5, 5. Ouais, c'est à peu près autant. Chaque zone a 5 quêtes en gros. Avec une quête principale. Une quête principale de la zone. À savoir ça. 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 Et ça, ça c'est les 4 principales des zones et puis la quête principale du jeu. Et là, voilà, elle a eu sa quête principale. J'ai trouvé une utilité aux pierres étranges et puis 4 quêtes secondaires.
Il y a un truc qui t'ennuie, c'était bien ça, tout à fait. Très bien. Quitter. Elle était sauvegardée à 13h10. C'est vrai qu'on pouvait faire aussi sauvegarder et quitter, je viens de me souvenir. Voilà. C'était le DLC The Pale Reach. La lisière pâle. De Dredge. Carrément un très bon jeu. Je continuerai, moi, je terminerai le 100% parce que je n'ai plus tous les achievements depuis le DLC. Il y a de nouveaux achievements qui me manquent que je ferai donc hors stream. Parce que les 100% en stream, ça va 2 secondes les conneries. Voilà. Très bien, je vois pas pour l'instant dans tout ce que j'avais prévu d'autres jeux que je devais faire en live, en solo. Ce qui veut dire que la prochaine fois, bah, on pourra se lancer, je pense jeudi, dans le DLC d'Outer Wilds. Ou éventuellement un matin. Je pense que demain soir, donc lundi soir, je pense être dispo pour faire un stream. Et j'ai très envie de continuer avec Outer Wilds. Donc je vais sans doute commencer dès demain soir le DLC, donc Echo of the Eyes. Voilà. Et bah, c'est tout. On va se laisser là. View. Visualization. Et on va mettre... Glockenspiel. Oh, c'est fort. Pardon. Des bisous. Au revoir. Au revoir. À bientôt.